Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Eh bien oui, nous allons, je vais vous concocter aujourd'hui un maquillage avec notre palette nude. Eh bien oui, avec la palette nude de LA Girl. C'est une palette qui est très résistante. Vous entendez? On entend bien le bruit, donc ça permet de bien garder le fard à paupières à l'intérieur. Le fard à paupières, il y a une distance entre les deux portes, les deux parois, pour ne pas abîmer les fards. À travers la vitre transparente, on peut voir les couleurs dont on a besoin. Et toujours de la marque LA Girl, bien sûr. Et dans cette palette, il y a son miroir. Il y a son miroir, bien sûr, qui nous permet de voir quand on fait notre make-up. Et il y a ces 12 couleurs. Ce qui est bien avec LA Girl, c'est qu'on vous offre aussi le pinceau qui va avec, vous voyez? Il y a le pinceau qui va avec. Donc, qui peut nous permettre de faire très bien notre make-up. Alors, voici les couleurs qu'il y a dans cette palette. Toutes ces couleurs. Avec son pinceau. Alors, vous pouvez vous procurer cette palette. Elles sont quatre. Elles sont quatre différentes. Il y a Smoky, Nude. Voici le Nude. Néon. Et ultra. Ultra, nude, néon, smoky. Ce sont les quatre palettes de la collection Eyeshadow et les Girls. Voilà. Donc, Beauty Brick, j'ai profité pour le prendre. Voilà, le code est juste derrière. GES331, nude. Donc, je vais tester cette palette pour vous avec des couleurs. Je vais faire un nude, comme il est dit dans le nom. Hein, je vais faire un nude avec cette palette. Et je vais vous montrer pas à pas les couleurs dont je vais utiliser pour pouvoir faire ce make-up. Et à la fin du make-up, au fur et à mesure du déroulement de cette vidéo, je vous montrerai les produits dont je vais utiliser pour pouvoir faire ce maquillage de paupières. Parce que j'ai déjà fait mon teint, mon sourcil. Et pour commencer, avant de commencer, je dois me servir de Pro Primer, pardon, base Primer. Oh, l'anglais avec moi, ça fait un. Donc, de chez LA Girl, toujours. Hein, donc, avec cette base. Je dois le poser sur ma paupière d'abord pour. Les couleurs sont déjà pigments, attention. Mais pour qu'elles soient encore plus pigments, je vais m'en servir pour pouvoir faire mon make-up. D'accord? Pour donner plus de punch à la couleur. Voilà, donc je vais faire court. Et. Tout ceci, vous pouvez le retrouver, tous ces palettes, tout ce qui appartient à LA Girl, toutes les make-up, les directs que je fais, les vidéos que je poste sur mon compte YouTube. Ce sont des vidéos avec des palettes, des produits que je me procure dans un magasin qui se trouve à Pointe-à-Pitre, dans le 97-110, à Bergevin, pour celles qui connaissent, hein. Donc, le magasin, il s'appelle Natural Beauty Hair. Voilà, elle se trouve à Bergevin. Et je vais mettre en description l'adresse, le numéro de téléphone du magasin où vous pourrez éventuellement retrouver tous vos produits, toutes vos palettes de maquillage, tout ce dont vous avez besoin, mèches, cheveux, tout, 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 tout. Donc, je m'alimente dans ce magasin, que dans ce magasin, depuis peu, car je ne savais pas qu'elle vendait tous les produits de LA Girl, et franchement, ça me plaît.
Et depuis, c'est chez dans ce magasin que je me procure tout ce dont j'ai besoin. Et je me retrouve parce que car je trouve tout ce dont j'ai besoin. Tous les maquillages que je fais, enfin, la plupart, hein, la plupart des make-up que je fais sur moi-même, je peux vous dire que c'est dans ce magasin que je me procure tous les produits de make-up. Et tous ces jours-ci, que je vais poster des vidéos, ce sera rien qu'avec les produits de ce magasin pour pouvoir éventuellement vous montrer, essayer et vous montrer comment sont efficaces les produits. Je fais des make-up avec les palettes achetées dans ce magasin. C'est pour vous montrer, surtout les débutants, tous ceux qui ne savent pas encore se maquiller, comment se procurer et quoi faire avec tel produit, tel fard à paupières, telle palette, quoi faire avec. Donc, je vous poste des différents maquillages. Avant, je me servais de la palette Be Perfect Carnival, que je me sers toujours d'ailleurs. Mais depuis peu, je profite pour me servir des produits de maquillage de Natural Beauty Hair pour que vous puissiez vous y rendre et puis acheter tout ce dont vous avez besoin. D'accord? Alors, je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Hein? Et si cela vous plaît, vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner, car c'est très important de vous abonner pour me permettre, après 1000 abonnés, de pouvoir faire mes vidéos directement sur YouTube. Ainsi, ce sera plus facile pour moi de faire mes vidéos. Voilà. Et plus court surtout. Allez, je vous dis à tout à l'heure et puis bon make-up. À tout à l'heure. Un jour arrivé, pour me prendre une décision pour la vie, sentir la confusion. Est-ce que moi voulais marier ou si ma vie bon comme une amie? Tant pour faire par un plaisir, si pas important pour nous dire oui. Si nous connaissons nos bras sous lui, pour qui nous paraît amie. J'aime pas bosser mieux. Comment nous pourrions être mariés?
Ti critique la couti ou pral kay maman. Comme un relation pral marché. Si ses amis ou pas ni yo quitte. Mariage pas yo plaisanterie. Ou pas di oui si ou pas pagré. Pas besoin de vous mettre. Pas besoin de plaire.
Passion.
jour arrivé, pour nous prendre une décision. Pour la vie, sentiment dans confusion. Est-ce que moi voulez marier? Ou si ma vie, mon comme une amie, tant pour faire par un plaisir. Si pas important pour nous dire oui, si nous connaissons nos bras soublis, pour qu'il paraît tant mieux. Jalousie, moi t'es juré pour nous rester.
Même si je dis à nous pas parler, ça va, je me fais me décourager. Make-up étant terminé, regardez, ce sont les fossiles de Natural Beauty Hair qui se trouvent à Pointe-à-Pitre que je me suis que j'ai récupéré. Le paquet est par trois. Il y a trois paquets. Il y a trois paquets. 1, 2, 3. Voici la première. 1, 2, 3. Que j'ai récupéré. Les prix sont alléchants, c'est pas du tout cher, donc et vous pouvez tout trouver, surtout ma petite palette nude. Alors je vous ai fait, je vous ai concocté une vidéo, un tuto vidéo avec le néon. Aujourd'hui c'est avec votre nude. Alors, demain, on va faire le smoky avec la boîte, la palette Hey Shadow Smoky pour demain. Donc, je vous le remontre, hein, elle est superbe.
Les couleurs sont fantastiques. Fantastiques. Et vous pouvez faire tout ce dont vous rêvez comme couleur. Donc, j'ai fait ce petit tuto. C'est un nude avec des couleurs bien irisées, bien pigmentées. Si cela vous a plu, dites-le en commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir hein, de tout cœur. Et s'il y a quelque chose que vous aurez aimé que je fasse en plus, vous me dites, hein, je le ferai. En make-up, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page, hein, ça me fera plaisir, surtout. Et surtout, en vous abonnant, vous allez me permettre de monter jusqu'à 1000 abonnés. Et je pourrai faire toutes mes vidéos enfin sur YouTube. Ce sera plus facile pour moi, moins coûteux et la vidéo va durer un peu plus longtemps. Je prendrai un peu plus de temps pour faire des vidéos, pour vous montrer pas à pas. Je pourrais même faire deux make-up sur YouTube sans difficulté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce tuto vidéo. Je vous mets en description l'adresse du magasin où que vous pourriez récupérer vos palettes de Ellie Girl ainsi la Color, toutes les marques que nous connaissons presque toutes, ainsi que les gloss que j'ai récupéré dans le même magasin. Celui-là, c'est du rouge, le gloss que j'ai mis sur mes lèvres. Violet, enfin lilas, il y a toutes les couleurs, violet, donc le petit rosé que j'ai mis tout à l'heure sous mes lèvres, que vous avez vu, je ne sais même pas où je l'ai mis, elle est là. Donc toutes les couleurs, je les récupère dans le magasin, c'est intéressant, c'est alléchant. Ainsi que les palettes, hein, je les ai pris toutes les quatre, hein, donc c'est par collection de quatre que je me suis permise de prendre pour pouvoir faire mes tutos. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir le reproduire. Alors, je vous dis à bientôt. N'oublie pas, tu likes hein, et tu t'abonnes à ma page, s'il te plaît. Et tu me laisses un tout petit commentaire. Hein. D'accord? Je te remercie et à très bientôt. Bonjour chez vous.